Minecraftien, ici chez le Bicentric Larven, à l'Astérix. Je suis un Mr. Phalax. Salut, c'est Mr. Phalax. On est en compagnie de Diamond, alias Carcassus Master. Qui sais-tu? Mais c'est quoi cette voix de psychopathe? Bonjour à tous. Nouvel épisode de Minecraft vous est offert. Je vois pas du tout pourquoi on a fait un élevage de canne à sucre ici. Moi, je vais retourner dans le Nether, ma petite exploration, là. Et moi, je vais tenter une prank. Mais faut pas le dire. Hop. Si tu nous prank, mais si tu nous prank, c'est soft. Hein. Si tu le fais à la TNT, je sais pas ce que je te fais. Ah non, pas la TNT. J'ai jamais fait de vraies grosses prank. Ah merde, y'a ma vache qui s'est barrée. Je sais même pas où est-ce qu'elle est partie, j'ai peur. La TNT, c'est dangereux. T'inquiète pas, de toute façon, j'ai jamais tué de creeper. Pour l'instant, ils ont tous explosé avant que je les bute. Merde, salope de vache. Et puis, j'ai plus de blé. C'est le bloc le plus pratique quand on a pas de pioche. Oh, c'est infernal, cet inventaire de merde. C'est juste infernal. Il me faut du blé. Vite, il nous faut de la bouffe, il nous faut tout et n'importe quoi. On galère. Oui, mais on est en peaceful, en fait. Oui, on est en peaceful, c'est vrai. On s'est mis temporairement en peaceful le temps d'aménager tout ce bordel. Putain, il me faut du blé. Parce qu'on a vraiment rien. On n'a rien du tout. Faut partager le stuff à chaque fois entre les 10 gens. Parfois, ils viennent, ils reviennent jamais. D'ailleurs, t'as un Joff, est jamais passé sur MVO, c'est chiant, ça. On le voit quasiment jamais. C'est pénible. Il a un micro? Bah non. Et la preuve qu'il n'est jamais passé sur MVO, je le connais pas. Il est passé sur un KTP. Il fait partie intégrante de la team. Il a aidé la team. Il a bossé sur la map. Et en fait, on ne le connaît pas. Il a bossé sur quelle map? Non, je déconne. Non, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de micro. C'est quand même très handicapant. Mais on l'aime bien quand même. C'est un ami proche. Malgré son handicap, nous l'aimons. Luttons contre le handicap.com. Voilà. Du coup. Suicide. Eh, bon. Hey, ça va. Bon, on va dire que ça va alors. Bon, du coup, on va essayer de remédier à ça. Je vais lui offrir un micro pour son anniversaire, tiens. Oh, c'est un Skype. Tu le connais au moins? C'est un ami d'amis, mais en gros, je le connais, oui. D'accord. En gros. Tiens, tu le connais au moins, ta gueule. Bien sympa. Eh, au fait. Bon, je vais claquer ma hache. Non, rien en fait. Champignon. Voilà. Canard boiteux. Quoi? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. S'en bat les couilles. Allez, venez mes petits. Oh oui, vous êtes mignons. Je cause au poulet. T'as intérêt. Si jamais tu connais. Et je suis normal. Si vous faites dire le contraire. Poum pidoum pidoum. Alors donc. La version là, 1.7.5. 0.5 exact. What the fuck? Les mecs du serveur font des trucs bizarres des fois, franchement. Ah ouais? Alors, je crée 2 upgrades de pioche. J'ai pas assez de place dans mon inventaire, évidemment. Ah, c'est trop bien, n'empêche d'être tout seul chez soi. Quand même. Je vais reprendre le fer, quand même. Je fous tous mes trucs inutiles dans ce ceinture de coffre que je vais... Oh, on a plus assez de place. Hein. J'ai bien fait de mettre de la terre derrière moi parce que je vais jamais rentrer dans le monde réel. Sinon. Je suis perdu au fond du Nether. Alors moi du coup ce que je vais faire c'est suis la dirt et elle te conduira à moi. Mouhaha. Alors, c'est en suivant la merde qu'on arrive à la merde. Ce même mot pourri m'a été proposé par Elsa Emon alias Carcassus Master, podcaster et Minecraftien. LOL. Là, je suis bienvenue à Combat Fait sous l'océan.
Ah oui, il se cogne dans les murs. Tu survis à peine quelques secondes sans oxygène. Tu vas crever si tu restes trop longtemps sous l'océan. Ces paroles vous ont été proposées par elle-même, enfin je suppose. Non mais ta gueule. T'as rien inventé? Hein? T'as inventé des trucs ou pas? Bah en fait c'est à moitié inventé. Il y a une partie c'est... Bah je l'avais dit au dernier épisode. Il y a une partie c'est... C'est-à-dire en fait je l'avais dit il y a 2 minutes en fait du coup. La moitié des paroles c'est Link the Sun qui les a faites et en fait moi j'ai fait avec ce que je me rappelais, c'est-à-dire pas grand-chose, du coup bah ça a donné ça. Et ensuite j'ai trouvé les notes au ukulélé. Hey. Ouais non ça va, ça a déjà fait la une de l'épisode je précédent. Je sais jouer des meilleurs morceaux. C'était un extrait. Voilà. C'est payant la version complète, c'est ça? Mais le pire, c'est que je crois que c'est l'instrument... J'ai la complète pour seulement 556 € et demi. Et demi. Pourquoi et demi? Parce que fuck la police. Voilà. Quand tu dois dire un nombre aléatoire, tu dis toujours et demi. Surtout si c'est des minutes, d'ailleurs. Enfin, oh c'est par exemple, je t'explique le principe. T'as quel âge? 557 ans et demi. Voilà. Voilà. Oh, de la bouse! T'arrives quand? Dans 557 ans et demi! Et demi! Voilà! Toujours et demi! 157, c'est un nombre que t'aimes bien. Non, c'est 557. Et ça n'a rien à voir, c'est un nombre pris totalement randomisalement. Bah, de toute façon, le nombre symbole du random sera toujours 36, quoi qu'on y fasse. Ne dit-on pas au 36e degré ou dans 36 000 ans? Mais tu sais que 36 est le nouveau nombre maudit? Allez voir, attends, je vais poster une vidéo en ligne normalement demain. Et c'est justement, j'explique pourquoi est-ce que 36 est le nouveau nombre maudit. Mouahalala. Mais 13, c'est bien. Parce que j'ai dit que je ferai une vidéo bonus. Au fait, t'as remis en normal ou on est toujours en peaceful? On est toujours en peaceful. Parce on est toujours en peaceful, vu comment je gambade, ouais. Ouais, on préfère se méfier pour le moment. Hein, pour le moment, ça va normalement dans je vais dans le feu. D'après, ça va être bon. Ça fait du bien. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous mettez du dentifrice sur la brosse à dents avant de la mouiller. Amnésique et dangereusement schizophrène, d'accord? Merci, c'est bien. Dangereusement quoi? Schizophrène. Oui, je sais, je suis un culte. C'est par là. Je vais miner. Okay. Je sais pas pourquoi, je vais miner. Et ramène-nous du lapis. Non. Si. D'accord. Oui, monsieur. Si tu ne nous ramènes pas de lapis, j'ai besoin de faire un colorant tertiaire, moi, ça va demander des tonnes de ressources. Yeah. Du cyan. Je dois faire du colorant cyan. C'est putain, j'ai pas de lampe. Et c'est cyan d'ailleurs. J'ai encore 61 trucs à faire avec cette pioche. C'est officiel, une pioche en fer à 250 utilisations. Oh. Ah. On a le droit de s'en battre les couilles? Hein? On a le droit de s'en battre les couilles? Oui. Ouais. Mais ça, bah alors, on va calculer les durées de minage. Il y a plein de quartz ici. Il y a plein de quartz ici. C'est juste flippant combien il y a de quartz ici. Oh. J'ai besoin d'énormément de quartz. Eh bah tant mieux alors! Mon cher ami. Serre-toi. Alors. Comment tu es arrivé ici? Quartz, it's a quartz jelly time, it's a quartz jelly time, it's a quartz jelly. No. No. Stop. Don't even think about it. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Hey. My God. Tu as un vibrateur de déconcentralisation magnétique à longue distance? Je suis level 30. Putain, je suis level 4, mec. Tu déconnes. C'est pas comme si j'avais miné 45 fois je calculais juste à côté, d'ailleurs, c'est pratique. Oups. 45 fois 4... Attends, il y a une erreur quelque part, parce que... 45 fois 4... Oui, 180 minerais. C'est pas comme si je devais massacrer 180 minerais de quartz. On aura fallu du temps pour dire ça. C'est le temps que je sens ta calculette. Oh là là.
Oh non! J'ai plus de pioche! C'est la fin de la vie du quartz, c'est officiel, non. J'ai 47 blocs! Wouhou! Du fer! J'ai 47 blocs de quartz, c'est n'importe quoi. Par contre, du coup, j'ai perdu le portail, il y a encore plein de quartz, c'est rageant, j'ai plus de pioche. Je suis dans le mauvais sens, je crois bien. Et comme avant, j'ai pas pris le bois. Oh. Je suis encore plus perdu qu'avant, lol. Ouais, c'est horrible, toujours... c'est horrible, il y a des tonnes et des tonnes de quartz qui m'ouvrent les... En fait, qui se foutent de ta gueule, plutôt. Qui me fonchent. Mais il y en a des tonnes, c'est juste incroyable comment j'ai pu passer à côté de ça. Attends, quartz, je suis à quartz, 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 quartz. Quartz, 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 quartz. Quartz-se. Alors nous avons un petit bug informatique, veuillez excuser le CLB. Faut réinitialiser le CLB, là, il y a un problème. Quartz-se. Quartz-se. Bon, ça suffit. Quartz-se. Quartz-se. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, t'avais juste bugué. Ah oui. Fais gaffe avec le quartz maintenant. Quartz. Quartz. Quoi, non, 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 non. Quartz-se. Stop. Quartz-se. Faites quelque chose. Quartz-se. 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 Mais je rêve. J'ai fait le chemin à l'envers, mince, faut que je me retape tout. Moi aussi. J'ai fait le chemin à l'envers. J'ai fait n'importe quoi. Bah moi je suis revenu jusqu'au pont de lave et puis maintenant je reviens. Moi aussi j'ai fait la même chose. Hein. Oh là là là. C'est bien par là. Normalement, ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Attention. Peggy 18. Aïe. Purée. Bon bah j'ai plus qu'une pioche en... Ah non, j'ai une pioche en pierre. Ah. Enfoiré. I'm lost. Peanut butter jelly town. Peanut butter jelly town. C'est bon. Notch, invente le GPS. Et où est-ce que ça va après? Je suis perdu. Je suis perdu. Moi c'est bon, j'ai retrouvé le chemin. Moi je me promène, je prends du quartz, ouais. C'est tout. Voilà, on a fait une petite ellipse quand même, mine de rien, et puis Mr. Fanax a réussi à me rejoindre. Alléluia! C'était magnifique! J'ai mis le temps qu'il faut. Vraiment instantané, et puis... Non, ouais. Oh, j'ai été tellement rapide, fulgurant, on n'a même pas vu le temps passer. Ouais, d'ailleurs, on n'a même pas vu Fanax passer, d'ailleurs. On est peu de temps après le 1er avril, là, autour de la vidéo. Ouais. Ah oui, c'est ça. Je me disais, j'avais raté le coup le 1er avril, donc heureusement que je me rattrape maintenant. C'est bon, j'ai trouvé le bloc de bouse. Oh. Ah, à cause des lags. Mais par contre, c'est par où la sortie? Ah bah tiens, c'est par là. Mais par contre, je vais pas dans le mauvais sens, là. Oula. Je sais pas. C'est dans quel sens? Ah, je crois qu'on est dans le mauvais sens. J'ai dû me perdre par là. Quoi? Je sais! J'étais allée dans le mauvais sens, je crois. Je crois qu'on est vraiment dans le mauvais sens. Je crois qu'on est perdu, en fait. Mais mince! Ouais! Attends, est-ce que... attends, vous pouvez vérifier les viewers? Je crois bien qu'on est à plus de 1000 blocs du spawn, là, du portail. God! J'ai même pas de casque. Bon, au moins, on est en peaceful, hein. C'est déjà ça. Ouais, sinon, ça serait déjà bruit d'agression de gaz. Oh là là. D'agression. J'ai déjà un nom pour l'épisode. Lost in the Nether. En parlant de ça, je vérifie la durée.
Et bah c'est la fin de l'épisode, désolé les gens, le titre on vous retrouvera quand on aura inventé le GPS. Et voilà. Et donc sur ce, je vous... C'était le gâche. Sur ce, je vous dis au revoir à tous, c'est laissé, n'hésitez pas, subscribe, like, partage, favori aussi, vous n'y pensez pas beaucoup. Pouce vert, au revoir, c'était la fin spectaculaire de CLB.